Eh bien salut à tous les amis, c'est Tu sais pas quoi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review d'armes de Battlefield 4. Aujourd'hui je vais vous présenter la 91, qui est une très bonne carabine que je considère comme un fusil d'assaut. J'ai à peu près 1500 kills avec cette arme, c'est accessoire. Je compte bien vous la présenter dans tous les détails, dans tous les genres de situations, même si ça va être un peu compliqué en 6 minutes, mais bon c'est pas grave, je vais vous montrer tout de suite un gameplay. Alors je vais faire ma classe. Sur mon A91 je vais mettre un viseur Coyote ou Cobra, peu importe. C'est vous qui choisissez. Un détecteur de cible, c'est accessoire, hein, parce que je trouve pas très utile les viseurs laser. Même si vous l'avez vu, elle a un très bon tir au jugé, la 91. Un compensateur pour limiter la dérive du canon. Et surtout une poignée ergo pour limiter le recul en déplacement. Voilà. Petit camouflage d'ice au passage. Pour l'avoir, j'ai galéré. Donc voilà les amis, on va respawn, je vais vous montrer tous les kills au cours de ce gameplay et toutes les morts pardon, que j'ai subies pour vous expliquer pourquoi. Donc voilà, si c'est un noob, si c'est moi qui ai mal joué ou si c'est l'arme, donc pour vous présenter les avantages et les inconvénients. Voilà. Donc vous pouvez voir, du moins c'est prouvé, à moyenne distance, si vous maîtrisez le recul qui est plutôt faible, à moyenne distance, c'est une carabine et ça le fait très bien. Comme vous avez pu le voir là, c'est mon deuxième kill à moyenne distance, c'est très bien. Voilà, c'est ce qui fait que j'adore cette arme. Pareil pour le tir au jugé, encore une fois je vais pouvoir vous le prouver là. Donc vous voyez, hein, à courte distance, il n'y a même pas besoin de viseur laser, hein, vous n'avez même pas besoin de viser quoi, tout simplement, donc c'est cool. À peu près comme toutes les armes, mais comment dire, cette arme a un tir au jugé en moyenne plus élevé que les autres carabines. Donc voilà. Encore une fois, je peux vous montrer que il est possible à moyenne distance de tuer quelqu'un très facilement. Ici, je meurs. On va dire que c'est la MTAR-21 qui a 900 de cadence et donc 100 coups par minute supplémentaire. Mais bon, je pense qu'il y a une petite différence de coups, mais bon, c'est pas grave. On va continuer. Donc vous voyez, moi, je sais pas quoi dire de plus à partir du moment où c'est une très bonne arme, que la cadence et le recul, quand on les combine bien, ça fait une bonne précision et puis on fait un carnage. Donc voilà, je sais pas ce que j'ai fait, j'aurais dû regarder à droite et j'ai regardé à gauche, mais bon, c'est pas grave. Petite tête au passage. Donc je vous rappelle que j'adore monter les escaliers avec cette arme. Vraiment un pur bonheur, 31 balles avec une arme avec un bon recul et une bonne cadence, c'est vraiment super. Donc voilà, rechargement plutôt rapide, hein, j'ai oublié de le mentionner. Pour détruire les claymores, sauf pour les snipers, bien évidemment, il faut 2-3 balles. Je me suis pas amusé à calculer, mais bon, c'est à peu près ça. Donc, qui dit arme à haute cadence dit perte de balles assez rapide. Hein, et donc, aussi, les assistances qui valent une élimination fusent pas mal aussi. Et donc ici, ouais, petite pause rechargement avec du 1 contre 3, c'est super, j'adore ça. Ah là là. J'aurais pu essayer de vous prouver qu'on pouvait gagner son duel en 1 contre 3 avec une bonne précision et un chargeur de 31 balles. Mais bon, c'était pas le cas là. Ici, hein, il suffit de regarder le radar. Le radar est très important, donc je sais pas si vous l'avez remarqué auparavant, mais vous pouvez agrandir la taille de la map avec sa profondeur, donc c'est vraiment très utile. Je vous conseille de le faire, surtout en match à mort, comme ça vous avez vraiment toute la carte en visuel, donc c'est vraiment cool. Quand je dis match à mort, hein, domination aussi. Donc voilà, il m'a fallu 10 balles pour tuer un mec à chaque fois, mais bon, ça vient avec la précision, et puis bon, vous voyez, le 2 contre 1 est passé assez facilement. Voilà. Donc après, si vous vous retrouvez en face de certains mecs qui ont vraiment un bon shoot, c'est au talent, hein, au skill, comme on dit. Donc voilà, une petite tête au passage. Alors, perso, je vais vous dire...
quelle utilité je donne à la grenade frag et comment je l'utilise. J'utilise pas forcément pour faire des kills sauf dans du verrou comme ça où c'est du que je dise pas de bêtises, 32 contre 32 dans un petit couloir en spawn kill par exemple. Non, enfin, comment dire, on peut l'utiliser pour faire des frags de cette manière. Mais moi je l'utilise pas pour faire des frags, mais pour couvrir c'est lâche de dire fuite, mais pour couvrir sa couverture, tiens, on va dire ça comme ça. Par exemple, vous êtes l'OHP, admettons, j'ai tué le mec, mais j'étais vraiment l'OHP, je sais qu'il y en a 3-4 qui arrivent, je balance une grenade et j'ai le temps de reculer. Comme ça, eux, soit ils sont suicidaires, ils vont peut-être essayer de me tuer, mais ils vont mourir de ma frag, soit ils vont reculer, attendre tout simplement que la grenade pète, c'est comme les incendiaires finalement. Donc voilà. En revanche, grenade d'ergo, c'est vraiment pour achever les ennemis, par exemple un tir de snipe, une balle, le mec, comme d'habitude, il reste 3-4 de vie, vous l'achevez avec une ergo. Voilà, c'était la petite parenthèse frag. Donc voilà, le petit rituel, s'allonger et switcher d'armes en fin de vidéo pour passer dans la killcam et faire la position de la plage. Voilà. Donc vous allez voir ça tout de suite. Sinon, en attendant, je vais vous parler de la remarque d'un abonné. Donc j'ai essayé de prendre en compte sa remarque. Il m'a dit, si tu veux que ça soit une review, ne fais pas un gameplay. C'est-à-dire que pour faire une review, contrairement à un gameplay, il faut que la vidéo soit plus courte et que j'aille droit à l'essentiel. Donc j'ai essayé de faire ça, mais bon, voilà. On va dire que ça va s'améliorer par la suite. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette review sur la 91, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et surtout à vous abonner à mes potes si ce n'est pas déjà fait. Voilà les amis, sur ce, on se retrouve soit pour un prochain Little Movie, soit pour une prochaine review, soit pour tout simplement une vidéo fun. Sur ce les amis, on se dit à la semaine prochaine et ciao ciao.